Toujours dans le cadre d'investigation sur la vie compatriote nous dans la République dominicaine. Et je dis à la nous dans Vince Cave, Barbershop et Bar. Gayon Bar. Et nous ensemble avec PDGA. Et comment vous les amis? Et non, pas nous, c'est Event Certuné. Ok. Et monsieur Event, comment vous même? Ah, nous en forme. Nous avons été depuis bien souffle. Ok. Je dis à la nous dans business. C'est un plaisir pour la plateforme Léon Achoua et la vie haïtienne dans ancien domaine pour nous capables présents. Et dans le cadre d'investigation sur la vie compatriote nous ici, Jean Kim Tedil, je dis à la nous tomber sur côté nous parler d'expérience publique dominicaine et en plus des business. Et d'abord, on a pris expérience en République dominicaine depuis qu'il est arrivé ici même. Et Jean nous dit là, non pas c'est Evans et un jeune entrepreneur et un étudiant en médecine. Et nous ici là depuis 2016. Ça veut dire et nous avons 7 ans ici là. Oui, nous avons 7 ans ici. Là. Et c'est comme ça. Et en 2020, février 2020, et nous venons ensemble avec Vinsky Barbershop. Et bar. Et bar. Parce que nous avons un bar là. Yeah. C'est un bar là, nous chita. Et Barbershop là, défend. Ça veut dire que les gens qui viennent dans Barbershop là, ils ont tout passé derrière là. Et prend un shot, boit une bière. Shot, gain tout type de bière, gain un warm, tout ça. Ok. Comment ça est même ici là pour vous même? Et mon capable de dire, c'est pas un bagage qui est aussi facile et ça qui compte et ça est le business là. C'est pas un bagage qui est aussi facile pour n'importe monde qui entre dans le monde ça. Et c'est encore même capable de dire, c'est un bataille. Ok? Et surtout expérience par nous avec Vinsky Barbershop et nous ouvrir dans le moment que le monde en crise. Ça veut dire c'est moment Covid. Okay, en 2020 et pour nous joindre espace ça c'est pas un bail qui était aussi facile et puis tout pour nous joindre un client qui stable c'est pas un bail qui est aussi facile tout nous gommer en pile nous lutter en pile pour nous faire face à genre des situations qu'a vu joindre nous par rapport et compatriotes nous qui ici là et nous subir de tout mais nous quand même n'a fait résistance quand même. OK. Et décision pour venir étudier ici là, c'est vous-même qui t'es prend ou bien parents? Son décision qui sorti bon côté nous tous les deux. Parce que si je pas voulu et moi pas venir. C'est parce que parents moi étaient à chercher comment te ka dit ça et yon bagay qui mieux pour moi-même parce que c'est pas là parce que la caille moi pas gain l'école médecine mais c'est par rapport à situation et à insécurité tout ça. Qui fait que nous t'ai quitté la caille pour nous venir étudier ici là mais au cours parcours d'études nous voyons que il pas vaut la peine pour nous rester des bois croisés pour nous à étudier parce que ayant étudié en médecine ici là l'ont fini ou pas gain résidence pour rester ici là pour faire social ou obligé tourner Haïti et qui pas aussi facile faut gain marraine parraine tout ça pour faire social et nous même nous t'ai changé physique nous épaules, nous disons comme ça, bon ok, n'a pas étudié, n'a pas travaillé. Et puis c'est dans 4 ça, et puis nous venons ouvrir le business. Non? Mais c'était une idée qui était là depuis 2017. Nous disons ça que, faut que moi fasse un business ici là pour représenter Haïtien. Et ceci, ce n'est pas n'importe business. Et voilà, nous avons Vinsky Barbershop. Ok. Et normalement, ça fait 2 mondes qui m'ont rencontré. Qui explique nous même situation en cas, je ne sais pas pour tout étudiant dominicain, mais si tout ça qui a étudié médecine, l'est terminé, c'est comme si par activité pour un pays, il n'y a pas de travail, il est obligé de tourner à Haïti, soit il fait clinique en partenariat avec l'autre collègue étudiant, ou bien il est obligé de chita. Et est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, après qu'il y ait un fin étudiant dominicain, pour qu'il soit capable d'entrer dans le processus pour résidence? Oui, il y a une possibilité. Et parfois, ça que nous tendez et les gens disent dans la rue, hein, et nous obligés répéter tout. Mais des fois, sous cela, là, nous pas chercher qu'on est.
Par contre, et mon dit comme ça que OK, il fini République dominicaine pas gagne rien, mais il pas chercher qu'on est et qui ça ca fait rester ici là pour travail. Exemple, pour gagne résidence ici, il gagne ça relé et gon processus. Il gon processus pour suivre. Exemple, yon simple citoyen pas ca gagne résidence ici là. Ou fin vin ou gen 2 ans ici là ou pas ca gagne résidence ici là. On va venir avoir pour étudiant hein. On simple citoyen qui vient ici là ou gen 7 ans minimum. OK, ou entrer dans business. Ou gon business qui légal et ou gen 7 ans stable ici là. Et puis bon, dans processus là, yo di kon sa ke faut gagne un véhicule. OK, me penser sou gen 7 ans ici là ou travail ou gen business ici là ou pour un avocat, le facile pour ou gen résident. Différent de yon étudiant. Il gon bagay ki rele et carnet d'étudiant que yo te kon bal. Mais actuellement là nous gen difficulté pour nous joindre avec carnet étudiant ou capable saka sa rele et résidence là. Mais tout ça c'est un process lié. Sou gen résidence ici là à l'aise de pour finir wa café social ici là. Parce que à l'époque m'pa rappelé sou ki président. Yo di kon sa étudiant qui finit en médecine ici là, yo te kon rete ici là yo fait social sans que yo pa gen et résidence. Sa vin président qui était là vin wè ke on paquet étranger spécialement haïtien a tellement fait comme ici a, yo vin camper kon ya là yo exige pour gen et résidence ici là et qui pas facile nan moment là à cause des crises et migratoire, li vin pas facile pour yon étudiant qu'on y a là, jeune résidence. Mais yon entrepreneur, il gagne un paquet de couloirs pour capable gagner résidence là. Et si avantage encore, si que ou étudiant ou entrepreneur, sou pa vle gagner résidence là ou même qui pa vle parce que gagne un paquet de couloirs pour capable gagner. Pour capable passer pour gagner. OK. Mais nan ka pa la ou même, sou a ki document même que ou utilise pour capable enregistrer business ou gagner business ça. Pour enregistrer un business en République Dominicaine avec un simple passeport qui a un visa touriste là-dedans ou capable saler porte ouvrir pour capable enregistrer et n'importe business ici là. Tout simplement on a besoin d'un avocat et puis il mène toute procession ensemble avec. Ou pas besoin gagne l'autre papier seulement ou gagne un visa touriste ou enregistrer business. Lorsqu'on fin enregistrer business qu'on y a là on passe dans l'autre étape si toutefois que ou besoin gagne résidence. Oh, mais il y a un peu de monde qui dit que les gens qui ne résident pas et pas faire business en République dominicaine. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il y a des gens qui viennent, qui ont un passeport expiré, visa expiré, ils ont enregistré business. Bon, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas business, mais c'est informel. Dans le cas pour là, avec visa, qui visa vous utilisez dans le monde là pour étudier ici, là, pour vivre ici là? Jusqu'à maintenant, je utilisé avec visa touriste. C'est parce que le pays. Et à cause des crises qui gagnent la caille moins et puis le président est venu assassiner, ça vient rendre et que moi pas gagne visa étudiant. Visa étudiant. Et gagne 90% jusqu'à 95% étudiant ni dans Pokamama, ni dans Outessa, ni la OAS cap étudiant ça avec visa touriste. OK. Et ça... si on connaît ça pas fait dans aucun pays pour un étudiant ça avec visa touriste mais c'est République Dominicaine, c'est Haïti, ils ont accepté nos conseils parce que ils connaissent situation nous là-bas. OK. Et si me pas tomber année passée, ont lancé un processus pour étudiants et capable et gagner des visas touristes. Bon, pour capable joindre des visas, excusez-moi, pas visa touriste, non visa étudiant à travers consulat haïtien ici dans Santiago. Est-ce qu'on peut entrer dans processus là? Et on était entré là-dedans pendant deux fois. C'est pas pour la première fois que yo lancé et genre de processus ça. Ça qui passé, là yo lancé yo, première fois au té lancé, étudiant bal passeport. Ça dure près de 12 mois, 8 mois, yo pas jamais qu'à récupérer passeport. Or, immigration red dans la rue, apprend yo malgré yo identifié yo étant que étudiant immigration style point yo al mettre dans machine à l'ensemble avec yo dans base. Ça vient rendre compte que première fois, l'aime te déposer moi-même, m'ba te jeune, m'te obligé à louer pour un passeport moi. Me dit comme ça que moi pas marcher sans passeport. Deuxième fois, l'aime lancer encore, moi pas le déposer. Et puis gain étudiant qui a le déposer jusqu'à maintenant. Depuis les avant président est mourir jusqu'à maintenant, yo konkoy jeune passeport. Les aucun bien étudiant comme ça, malgré les présenter badge université et aller avec l'en base. Est-ce qu'il au déporté? Non, parce que
ça m'a pas dit et li général ça fait ça dépendamment parce que gien outé ça gien pour ka maman ou connaissez des universités et différents parce que Jean Lia m'a obligé la gueule comme ça l'immigration kembe yon étudiant pour ka maman parce que vous connaissez yon université et congréganis li étudiant présenté badge pour ka maman immigration bal passé parce que vous connaissez l'école congréganis vous connaissez que pas de gain monde ka fait bagay et illégal les ou bay yon étudiant ensemble avec et canet ou té ça yo prend yo mettez dans la machine yo allons ensemble avec dans base qu'on a ça qui vient arriver là rive avant dans base qu'on y a là yo pas vous Haïti qu'on y a là il y a faut entrer dans système là dans système ou té ça non pas jouter ça parce que chaque étudiant ou gain accès rentrer dans pas jour à un code unique exactement so sou pas ka rentrer là parce que gain haïtien qui fait là qui fait faux canet ou té ça pour yo marché après sans que yo même yo étudiant OK so ou té ça et immigration vinn connait ça qu'on y a là yo prend des mesures ça ou gain carte ou té ça dans mon yo capable pour y aller ensemble avec y a le vérifier y a le vérifier ensemble avec si ou dans système là yo relâché ou yo relâché ou sou pas dans système son faux carte y a déporté ou yo quand même arrêté ou même parce que yo fait ça en pile OK bon on nous parler de Vinskiv Barbershop ou te dit comme ça et c'est 2020 oui dans moment pandémie ou pas initiative business là comment ça y est même bon avant et m'étais capable de c'est première expérience non et dans monde business là avant et nous ta boîte sérieux mais pour le moment grâce à Dieu et bagaille a bien marché pour nous parce que pays en l'ouvre il y a activité surtout et où t'es ça ouvre nous en face où t'es ça bagaille a bien marché pour nous grâce à Dieu bien que c'est pas toujours mais des fois bagaille a bien marché pour nous OK entre haïtien et dominicain qui est plus recevoir dans barbershop là ah m'pa ka faire évaluation ça non parce que pendant journée hein si gien 10 monde qui rentré on capable joindre 5 dominicains rentré et ceci depuis là que moi ouvri moi connais gien dominicain parce que moi pral gien 1 an ici là moi pral gien 1 an donc pral gien 2 ans pardon avec business là gien dominicain qui pas jamais lâché un jour depuis cheveux à monter au vin couper là et me capable dire comme ça que m'équilibre 50-50 ouais OK elle dit joindre appui bon côté pas haïtien de même pour dominicain yeah. OK qui sont opiné en tant que combien à nous gagne en étudier médecine là moi gagne 5 ans en médecine moi gagne 7 ans ici là ouais. OK et est-ce que c'est vrai dominicain raciste et me capable dire oui me capable dire non ben moi entre puis fond avant dominicain yon moun ki raciste pa monte même machine avant ça c'est un on moun ki raciste koto passe pa passe on moun ki raciste zone côté le rete et appartement côté le rete li pit s'il gen cob li pit au balcob pour noir par là m'pa di haïtien pour noir par là s'il pa gen cob li pa prêter là depuis noir là ça c'est moi qui comprendre mon raciste là OK dominicain on capable dire son nation qui matérialiste en pile. Et 60%, 70% matérialiste, 30% raciste. Ça fait ça. Noir, m'propre, m'senti bon. J'en ou dit la mountal. Ou gen a fait nan men. M'gen bagay nan men. Base. Ou dominicain, ou se ti bon joye roule la. Là, li m'bagadi mounta raciste. Parce que n'a pas parlé, n'a fauté, n'a partagé ou pas raciste. Ça veut dire problème dans son problème économique. Ça veut dire si toutefois, majorité haïtienne qui a vécu, si tu as moyen en main, ça va passer ou là, va pas passer. Exactement. Pour qui ça, Léon noir, Dominique, on dit le raciste, les croisons noirs qui fouillent, ils disent qu'on s'allume. Léon black américain, quel est américain lié. Ils disent qu'on américain, les noirs récents, les haïtiens, ils disent qu'on s'allume pas haïtien, c'est américain lié. Parce que lui, il a intérêt, lui, il a un peu de cob. C'est pas problème avec noir, les gars. Moi-même, moi, c'est problème et... Problème moyen. Avec côté de sortir à tout. Et puis, parce situation que si Haïti... que j'ai traité nous, Haïti. J'ai un gouvernement a maltraité nous, Haïti. Comme si yo gardé nous, yo minimisé nous. Par rapport à la situation pays. Exactly. Parce que y a un peu black américain qui vient ici. Yo pas le même traitement. Parce que nous pas à manger, nous pas gain de l'eau, nous pas gain d'électricité, nous pas gain rien. Insécurité à tête nègre.
yo obligé de descendre parce que jonye c'est qu'on ça recevoir. Bon, Jean la caillé c'est qu'on ça voisin, c'est bon. C'est même Jean par exemple sous gagne ou gagne voisin, pas vrai? Yeah. Ou toujours ouais voisin dans zone là qui gagne plus moyen, ti moun ni gagne plus importance. Exactement. Tout ti moun d'imagine dans la coulée. Yeah. Bah on dit one. Et comme la caillé nous pas fin OK, ça veut dire nous même nous joindre des traitements mais c'est parce que yo 100% raciste vraiment. Non, yo pas raciste vraiment. Okay. Si nous te gen bel pays, nous te gen route, on t'a bien mené, bah pas gen pi bel. À qui nous t'a posé voir ça? Ah mon cher. Yeah. Et combien cob yon coupe de cheveux coûté nan 20 kev? Là nous te fin et démarrer, nous te démarrer très minime 150 pesos. Okay. À cause que dans la montée, bah yo vin cher tout côté partout dans le monde, nous vin mettre nan un standard avec un service qui est énorme tout, nous monter le 300 pesos. Okay. Qui service et en plus qui vient de gagner? 300 pesos et nous gagnons crème pour retirer des acné dans le visage, ou des points noirs, lait, tout ça. Nous passons le temps pour essayer un mantelier, lorsqu'on fait couplin, lorsqu'on fait cheveux, ou passer dans le visage après 3 minutes. Et puis, on lave le visage ou sentir le visage là, fouet, tant que tout poil vient ouvrir. C'est service en plus dans 300 pesos. Après, il y a un service nous offrir, mais qui pas dans 300 pesos, tel que facial. Nous tout bien mon facial tout. Mais c'est encore non ok à pas ok. Non en dedans 300 pesos c'est fait cheveux à. Fait cheveux à. Et puis utiliser des produits même pour visage là. Exactement. Okay. Yeah. Et puis facial et nous fait facial et 250 pesos pour fille. Ok pour garçon. Pour garçon si garçon pas fait cheveux nous fait 350 pesos. Ok facial là. Je n'ai pas le garçon il fait facial là. Oui en pile garçon couru sous non et ni mesdames et tout. Bon, surtout les gens activité dans la ville là, tant qu'on jazz à venir jouer, nous pas un côté pour nous mettre monde là. Parce que tout le monde vient faire facial, tout le monde vient mettre au clean. Parce que vous connaissez celle-là, vous êtes capable de mettre au clean. Ok, ok, ça c'est important, mes amis. Et nous avons fait une invitation formelle à toutes les communautés haïtiennes, en République dominicaine en général. Parce qu'il y a un avantage, nous avons Saint-Domingue, toute ville, vous connaissez tout côté connecté. Oui, on a toujours des passages dans la ville là, et puis tout le monde vient faire cheveux là. Venskev Barbershop. Et bas, et il y a en face où tu es ça. Et puis nous avons Instagram, nous tout qui c'est Venske Barbershop. Nous avons TikTok, nous qui c'est Venske Barbershop. Facebook, Venske Barbershop. Et téléphone? Téléphone 849-402-9450 pour n'importe information que vous avez envie qu'on ait de Venske Barbershop. 849-402-9450 seulement sur WhatsApp. Adresse officielle là, c'est en face. En face, université où tu es ça. De vous arriver là, pas gain perdu. Pas gain perdu. Venskev Barbershop, nous avons gardé là, nous avons comment monsieur a déposé, a travaillé. C'est belle coupe, belle cheveux. Bon, allez. Ok, c'est un nombre sur qui se dit là, oui? Yeah, c'est un nombre sur qui se dit là. Ok, ok. Mon bagage dominicain qui travaille dans le business là, non? Oui, moi, j'ai un gars qui travaille là. C'est lui pas dominicain, maman dominicaine, et lui même c'est un péruvien lié. Ah, papa, ok. Papa, c'est péruvien. Ok, ok. Mais lui plus passe temps et Pérou qui est en République dominicaine. Qui est en République dominicaine. Okay. Monsieur Vini là, amen. Monsieur Vini là, monsieur dit comme ça que lui remet ici là, il t'a envie de travailler. Monsieur dit, ça que fait lui envie de travailler ici là, c'est propreté. Hein. Okay. Parce que nous avons une machine ici là, nous avons une machine ici là, nous mettons dans le barbier pour stériliser la machine. Je ne sais pas si c'est celle-là que vous rejoignez. Ok. Pas de aucun barbier. Allez-y, une hygiène qui est vraiment bon. Qui stable ici là et qui respecte ici là. Donc, so, la machine, c'est au point de deux yeux, vous mettez là-dedans et puis vous tirez 95% de bactéries là-dedans. Yon laser là-dedans, li nettoyer. Après, fin retirer dans la machine, nous avons un spray qui fait même travail là, nous bal spray là. Ça veut dire, et jouen étranger ça travail ensemble avec moi, monsieur dit comme ça que c'est parce que chaque barbershop li rentre là-dedans, li pas jouen gens de hygiène ça là-dedans, li obligé comme si mette ensemble avec nous pour nous fonctionner. Bien d'accord, parce que nous avons lancé un message pour nous avoir un service là. Et tous ces jeunes gens qui sont dans la ville Santiago, mesdames, yotou, viennent faire facial, viennent faire cheveux nous. Nous connaissons les mesdames qui font coupe tout. Ouais, okay. Tout le monde invité, tout le monde invité dans Venskev Barbershop en face où tu es ça. Zami, merci en plus. Merci vous-même, tout frère.